faire une veille de roi à Franchipane. Pâte feuilletée, piquée au fond. Alors là, dedans, il y a 50 g de beurre. Il y a 150 g de poudre d'amande. Il y a un œuf entier. Et il y a 50 g de sucre. Je mélange le tout, soit bien crémeux. On va ensuite étaler toute cette crème sur la pâte. Allez. Voilà, on l'étale bien. Et on laisse quelques centimètres tout autour pour y mettre notre pâte dessus. Alors, si vous avez une fève, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Moi, je ne vais pas en mettre. Alors, j'ai posé la deuxième pâte feuilletée dessus. J'ai bien fermé tout autour. Bien fermé. Je vais faire un trou au milieu. Pour pas qu'elle gonfle. Sinon, elle risque de éclater et de se sécher à l'intérieur. Ensuite, j'ai un jaune d'œuf. Je vais passer dessus pour la couleur. Alors, ensuite, avec un trou, je fais des dessins comme vous le voulez. Vous pouvez écrire dessus si vous voulez. Bon anniversaire, bonne année, bon ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire. 40 minutes à 200 degrés.